Bonjour, je vous souhaite la très bonne journée. Bon, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo spéciale sur les araignées que je peux trouver dans ma ville. Là, je suis dans un parc en ce moment. Là, je vois qu'il y a beaucoup de jaune. Je vais juste vous montrer comment que moi, je gère ça. Là, je vais vous montrer que je n'ai plus de Pokémon dans aucune arène. Et comme vous voyez ici, j'ai déjà acquis mes 50 pièces, gagné. Il me restait 4 Pokémon, mes 4 Pokémon étaient éjectés, mais je ne sais pas si ça a été hier ou avant hier. Donc là, sur ce, allons voir qu'est-ce qui se cache là-dedans. Je regarde les joueurs. Ce joueur-là, il est couramment dans mon secteur. Il s'amuse à terrasser tout le monde, à conquérir les arènes. Il fait comme moi je faisais auparavant. Je conquérais toutes les arènes pour m'assurer un maximum de pièces. Mais là, vu que j'ai atteint déjà le cap des 4000 depuis les 4000 combats qui me donne la platine pour 4000 combats gagnés dans les arènes, eh bien, j'ai décidé de jouer un peu plus intelligemment puis essayer de partager des pièces avec les joueurs. Mais je sais que je n'ai aucun contrôle de ce qui se passe parce que personne ne se connaît. Tout le monde, il y a beaucoup de monde qui joue à Pokémon Go dans ma ville de Belleuil. OK, mais j'espère qu'il y en a un qui va regarder cette vidéo-là puis il va voir que genre, je vais juste ajouter une arène de chaque couleur de l'équipe si les joueurs sont différents. Mais si je vois, c'est les mêmes joueurs qui apparaissent partout, comme ici. On voit ici Captain, un Sammy Split. Ici, j'ai Milan Gwit. OK. Ça fait 4 joueurs. Il est à ma gauche, plus loin. Et bien. J'ai été éjecté. C'est normal, c'est un cours de GPS qui fait ça. Il me fait prendre mes poteaux. On sait qui m'a éjecté hier soir. Oh, commande là, esprit, j'en avais juste un. Et tu m'as éliminé le soir même. C'est que je vous le disais. Hein? J'en ai juste mis un. Et le pire, c'est que je ne l'ai même pas éjecté. Puis ça va m'éjecter le soir même, alors que j'avais déjà mes 50 pièces, alors que j'ai fait une mini, genre 4 d'une shot. Ben, comme vous avez dit, j'ai un méchant qui était difficile de tout mon arène hier soir. Mais c'est pas logique parce que je me suis fait éjecter toutes mes arènes d'un coup. Il a pas vu ça. Moi, je mets toujours les mêmes Pokémon, c'est tout ça, ça n'a aucune importance, ça n'a aucune précédence. Là, c'est aux autres de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Si j'éjecte pas tous leurs Pokémon d'un coup, j'espère qu'au moins les gens vont allumer que j'éjecte pas tout de suite. Je vais attendre là demain. Je vais attaquer une autre arène demain, une autre arène demain, une autre arène demain. Le lendemain, c'est tout. Capitaine Cryptique, je pense que je vais attendre 2 jours pour celui-là. Oui, je vais attendre 2 jours. En espérant qu'il va être encore là. Parce que ça peut arriver, des fois, ils peuvent durer 2 jours, les Pokémon, ici. Fait que... Parce que t'es ici, aussi. Fait que demain, ça va être cette arène-là qui va être attaquée. Fait que vous n'avez pas de 50 Poké-pièces. À soir, ça sera juste 100. Là, je pense que je devrais m'en aller parce qu'il y en a aux appuis. C'est un orage, je sais pas. Ça va être tout beau sur le coup. Pour ma petite soirée. Donc, voilà. Une arène de conquis, mais je ne conquérirai pas le reste. Puis Jean-Michel, je pourrais peut-être y aller. Mais je pense que j'attendrai à demain. Oui, je vais attendre à demain pour ça. Fait que... J'espère que ceux-là qui sont dans mon secteur vont voir cette vidéo et vont comprendre que Lucario, ben à présent, depuis le début du mois d'août, ben OK, ben, il est généreux. Vous avez un Pokémon, si vous voyez dans un autre arène, ben voilà.
et bien voilà, il va vous en jeter un autre le lendemain, et ainsi de suite, pour que vous ayez le plus de Poké Pistes que possible. Et oui, je suis généreux. Bon, bien, re-bienvenue tout le monde. Nous sommes le 31 août. Bon, il n'y a eu aucun changement depuis hier soir. Donc, je suis libre de faire ce que je veux sur mon territoire. Donc, juste pour vous dire que là, je vais seulement attaquer deux arènes aujourd'hui. Je vais attaquer celui-là qu'on vous avait promis hier, en dû à la pluie. J'ai pas pu y aller hier soir. Puis Jean-Michel, que je sais pas pourquoi il m'a éjecté avant hier, alors que j'ai mis mon Pokémon à 20h. Et lui, il m'a sûrement éjecté. Je sais pas pourquoi il m'a éjecté, j'avais 50 pièces pourtant. Puis la chose que je cache pas, OK, c'était lui qui était là avec son Pokémon. Mais on a un joueur qui se nomme Sinus Mage qui l'a conquérit hier. Alors je comprends pas pourquoi que le joueur Jean-Michel a finalement décidé de m'attaquer alors que j'avais juste une arène. Pourquoi il n'a pas attaqué l'équipe des gens qui sont partout dans mon secteur? C'est pas logique, là. C'était réellement pas logique. Je sais pas pourquoi il m'a éjecté. Puis le pire, c'est que c'est même pas moi qui l'ai éjecté. Puis c'est l'équipe des rouges. Puis il voit que c'est les jaunes. C'est l'équipe des jaunes. C'est un joueur de l'équipe des jaunes qui l'a conquéri hier. Hier soir. Hier matin, je sais pas quand est-ce. Mais on sait que c'était hier au 30 août. J'ai vu que chez nous de mage là. Il est ici aussi, mais je sais pas s'il est là-bas. Fait qu'il faudrait que je vérifie en allant à l'autre part. Là, je suis chez moi en ce moment. Là. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on peut rien contrôler, qu'est-ce qui se passe. Mais genre, je cache réellement pas pourquoi que Jean-Michel décide de m'attaquer, alors que c'est même pas moi qui l'a attaqué. C'est drôle, hein? Puis j'avais juste une arène. Mais... Il a décidé de ne pas attendre le lendemain, il m'a éjecté, mais quand j'avais déjà mon 50$ et j'avais 4 Pokémon qui ont été éjectés le même jour. Vous imaginez-vous donc, j'ai 4 dans le même jour, ils s'en vont m'en mettre un 5e alors que j'ai mis ça à 20h le soir. Il m'a dit attendre le lendemain. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à ces deux-là, à moins que Chikno Smash soit dans celui du fond qu'on ne voit pas encore. Puis j'en éjecterai un autre le lendemain et ainsi de suite pour qu'il y ait 50 pièces ces joueurs-là. Par contre, si je vous éjecte, OK, une petite chose que vous devrez savoir, là, il est 19h09. Donc, j'ai pas le temps d'acquérir 50 pièces aujourd'hui. Fait que arrangez-vous pour m'en éjecter un demain puis un le lendemain parce que je m'attaque à deux arènes différentes, de deux couleurs différentes. Vu que le bleu, puis le jaune. Alors, Jean-Michel, s'il te plaît, retiens-toi. Bon, ben pour la reine qui était éloignée, ben ça en même temps en ce moment, fait que je peux pas voir si Snooski est là. Donc, aujourd'hui, je vais m'attaquer à ces deux arènes-là. Fait que Jean-Michel, s'il te plaît, retiens-toi jusqu'à demain. Puis pour les autres, s'il vous plaît, l'autre lendemain, choisissez n'importe quelle de vos arènes, mais s'il vous plaît, essayez de me garder. Essayez, s'il vous plaît, d'en garder un dans deux jours, puis l'autre de les écrire demain. S'il vous plaît. Pour maximiser nos chances d'obtenir des 5, 30 Poképistes par jour, c'est ce que je fais en ce moment. Et ce n'est pas des blagues. Ça bug encore. Pourquoi ça va être bien? Où est-ce que tu veux? Je pense qu'il y a des arbres.
Mais voyons donc. Je sais pas ce qu'il y a avec cette arène là, mais il y a un bug. Ça bug. C'est bizarre. Mon internet est en train de fucker, je sais pas pourquoi. Bon, ça arrête de marcher. Eh hey boy, c'est quoi ça lag là? Mais bon. Plus de 1. Avez-vous marché mal aujourd'hui? Ça devrait pas arriver. On arrête de compter en espérant que. Parce qu'il reste moins de 5 heures, c'est pour ça que je dis genre, j'aurais pas le temps d'accueillir 50 pièces, à moins que les gens m'éjectent avant minuit, genre vers 23 heures, mais le problème c'est que j'aurais pas l'entièreté des poképièces que j'ai droit en une journée. Moi, je suis méchant d'avoir au moins 100, mais avec deux. Je sais pas comment que les gens vont s'arranger avec ça. Ça prend du temps à charger, ça là. Ça y est, c'est assez bizarre comme boy, pareil. Quand le jeu lag, ça fait ça.
Et voilà, rien de compter. Ça sera tout pour aujourd'hui. Demain, ça sera un autre de l'équipe des gens. On n'a pas de nouveauté. Pour les nouveaux costumes, ok. Donc, ça va être tout. Donc, ces gens-là ont seulement 50 pièces aujourd'hui, vu qu'ils étaient là hier. Fait que sur ce, petit guidou, les amis.